Alors, nous commençons. I just call. Faites attention, bien, on écrit B-I-E-N, bien sûr, parce qu'il. Souvenez-vous, le E doit disparaître et vous mettez l'apostrophe parce qu'il est plus rapide. Vous pouvez dire aussi parce que c'est plus rapide. Hein, bien sûr, parce que c'est plus rapide. Ankan nous dit oui, parce que, même chose, le E doit disparaître, apostrophe, parce qu'on peut voyager très vite. Ankan, j'imagine que vous n'avez pas l'accent, ou les accents sur votre clavier. Ankan, attention, E, accent grave pour très, d'accord, très vite. Alors, Jeanne, bonjour Jeanne. Jeanne nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Attendez, je suis perdu. Voilà, oui, j'aime prendre l'avion parce que, souvenez-vous Jeanne, deux mots, hein, parce que. Je n'aime pas conduire, j'aime quand je peux prendre la première classe. Oui, faites attention, première, hein, première classe. Et souvenez-vous qu'à la fin de classe, vous avez un E, classe. Alors, Fa nous dit oui, j'aime prendre l'avion parce que, alors même chose, Fa, deux mots, parce, et continue avec parce que c'est rapide. C'est plus simple. Jean-Michel nous dit « Oui, j'aime prendre l'avion parce que cela signifie que je pars en voyage et que j'aime voyager. » Magnifique phrase, Jean-Michel. Ankan est d'accord. Maria, bonjour Maria. « J'aime prendre l'avion parce qu'avec... » Tout le monde me met le que aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, on enlève le E et on met l'apostrophe parce qu'avec l'avion, je peux visiter des endroits plus lointains. Magnifique adjectif, lointain. Merci beaucoup. Michaela nous dit « Je n'aime pas prendre l'avion parce que le voyage… » Ouais, mettez le masculin, Michaela. « Le voyage est trop… » Et donc, l'adjectif est au masculin. « Long ». L-O-N-G, d'accord? Donc, Mickaël, je n'aime pas prendre l'avion parce que le voyage est trop long pour moi. H, comme la lettre H, nous dit, bien sûr, j'ai pris un vol pour échapper au virus à Londres. Mon Dieu, mais c'est terrible votre histoire, H. J'espère que tout s'est bien passé. Émilie, il y a des histoires incroyables avec cette histoire quand même de virus. Alors, Émilie, oh là là, Émilie, ce n'est pas grave, je n'ai pas beaucoup pris l'avion, mais ce n'est pas trop grave. Mais bien sûr que non. Et vous êtes jeune encore, mais je préfère les bateaux car ils permettent de s'immerger davantage dans la culture. Oh là là, vous aimez bien écrire et ça, c'est très sympathique. Fa nous dit... C'est rapide, d'accord? C'est rapide et efficace, votre réponse. Finza, je l'aime prendre. Alors attention, Finza, vous allez mettre dans l'autre, le pronom, pardon, vous allez le mettre avant votre verbe prendre. Parce qu'en fait, le pronom est connecté au verbe prendre. Donc, j'aime le prendre, d'accord? Parce que je veux regarder, ouais. Peut-être qu'on va mettre le pluriel, alors c'est masculin, nuage c'est masculin, mais peut-être que vous voulez mettre le pluriel les nuages, d'accord? J'aime le prendre parce que je veux regarder les nuages et c'est incroyable. Jason nous dit « Je ne l'aime pas parce qu'il y a suffisamment de place pour mes pieds ». Il n'y a pas, c'est peut-être ça, non? Ce que vous voulez dire, la négation probablement. Il n'y a pas suffisamment de place pour mes pieds. Sabina nous dit, j'aime, attention Sabina, voyager, deuxième verbe. Donc vous mettez à l'infinitif ER, d'accord? Mais je n'aime pas prendre l'avion parce que souvent, il part. Vous allez conjuguer le verbe. Hein. Partir, quand on conjugue, c'est P-A-R-T. D'accord, parce qu'il part trop tôt. Attendez, je suis perdu. Jessica nous dit j'aime parce que, ouais, la même chose, utilisez plutôt c'est, hein, parce que c'est plus rapide. En général, on va utiliser comme ça. Ice Cube, j'aime prendre l'avion parce que je verrai. Très bien. Même chose, on va le mettre au pluriel, les nuages. On imagine qu'il y en a plusieurs. Lanley, pas du tout, je préfère voyager. Oui, alors Lanley, faites attention. Si on est puriste, on va dire à moto, d'accord? En général, on dit à quand on est à l'extérieur, à vélo, à moto. Normalement, on dit « en » quand on est à l'intérieur, en voiture, en bus, en train. D'accord ? Je suis libre quand je la prends. Très bien. C'est vrai que c'est sympathique, la moto. Ice Cube, je voudrais voir, même chose Ice Cube, pluriel. Les nuages, pluriel. Julia, bonjour Julia. J'aime bien l'avion parce qu'il peut me, infinitif, prendre très loin. L-O-I-N, loin. Classis, problème d'Internet, elle revient. Pas de problème, Classis, nous sommes là, nous ne bougeons pas. Astrid, bonjour Astrid, j'aime prendre l'avion parce que cela pourrait m'emmener partout et c'est amusant de voir de nouveaux endroits. Magnifique phrase, Astrid. Nelson est là, bonsoir Nelson, ou bonjour, c'est comme vous voulez. Très bien, bon, allez, on va commencer. Alors, toujours la même chose, j'avais noté les noms des personnes. So I've been writing the name of the persons who want to participate orally, but it's still, you still have the time. So if you want to participate orally and you didn't put your name in the chat, you can still put it. But then now I would like you to, I would like to ask you a question and I would like you to, well, tell me exactly. If you want me to mostly speak French, like I did just previously, please raise your hand. Parce que c'est une démocratie quand même. Alors, regardons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y a des calculs ou pas? Je ne sais pas. Alors, la majorité, est-ce que la majorité veut que je parle français? C'est difficile parce que we got quite many people who didn't raise the hand. Maybe I should ask yes or no. Well, I will do un peu de franglish, comme on dit. Ah oui, d'accord. Bon, je pense que la majorité veut que je parle français. Donc, je vais essayer de mélanger. So, maybe you could lower your hands, and then after that we'll see. If you've got some difficulties, don't hesitate to put that in the chat and you say please explain that in English, and it will be a pleasure, but right now we'll mostly focus on the pronunciation. Alors donc attendez, voilà. Ah, qui veut pas? Oui, mon Dieu, je ne suis vraiment pas efficace aujourd'hui. Les personnes qui veulent participer, donc j'avais vu Jessica. Ah d'accord, Jessica, oui, ok. Attendez, je finis ma liste. Jean-Michel aussi, ok. La liste est longue hein, aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent parler. C'est une bonne chose. Émilie ne sait pas comment lever la main, c'est pas grave. H du franglish, d'accord. Jean-Michel aussi, d'accord. Ah donc, très bien. Bon, très bien. Franglais. Bon, ben, je vais faire du franglais alors. Très bien, on y va. Allez, je voudrais que Jessica, s'il vous plaît, si vous pouvez me rejoindre, ce serait très gentil. Vous êtes là, Jessica? Oui. Oui, très bien. Alors, on y va. On va faire de la lecture avec vous. On va lire les choses qu'on avait vues tout à l'heure dans les exercices sur YouTube. Si vous pouvez me lire juste les fruits. On avait vu des fruits. Je vous écoute pour la prononciation, s'il vous plaît, Jessica. La pêche. Mm-hmm. Le melon. Ouais, faites attention, faites bien le E comme un E. Le me, le melon. Le melon. D'accord, regardez. Ça continue pour vous, Jessica, s'il vous plaît. L'ananas. Mm-hmm. Le pamplemousse. Ouais, faites attention avec le AM. Vous savez, on va le prononcer comme une nasale. Pan, pan, pan. Le pamplemousse. Le pamplemousse. Ouais, c'est parfait. Et le dernier? La pastèque. D'accord, effectivement. Alors, pour le premier, il y a deux approches. Il y a certaines personnes qui prononcent avec le S et d'autres personnes qui le prononcent sans le S. Donc, vous pouvez entendre ananas ou vous pouvez entendre ananas. Okay, les deux sont acceptables. Mm-hmm. Merci, Jessica. Dina, s'il vous plaît. Dina, nous vous écoutons. Bonjour Dina, vous allez bien? Oui. Eh bien, c'est formidable. Nous vous écoutons pour les fruits, s'il vous plaît. La banane. Oui. La figue. Oui. La figue. La figue. D'accord, très bien. On continue, regardez. La prune. Oui, faites bien le U, la prune. La prune. Mm-hmm. La mandarine. D'accord, la mandarine. Les citrons. Ouais, prononcez bien le E comme un E. Le citron. Le citron. Eh bien, écoutez, c'est parfait, Dina. Merci beaucoup, Jason. C'est à vous, s'il vous plaît, Jason. Bonjour. Nous, bonjour, Jason. Allez-y. L'apricot. Ouais, faites attention parce que ça, c'est pas facile. Le B, il est vraiment très, très souple. Ba. Avec le R, ça va être br, bri, l'abricot. L'abricot. Ouais, c'est un petit peu trop fort encore. C'est un petit peu comme un P. Essayez de le faire plus rond. Ba. L'abricot. L'abricot. Ouais, là, c'est parfait. Continuez, s'il vous plaît. La cerise. Oui, même chose pour le Z. Soyez très léger. La cerise. Z. La cerise. Oui, là c'est parfait. Merci. Continuez. La poire. D'accord. Le raisin. Même chose ici. Regardez, votre S entre deux voyelles. Z, 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 z. Le raisin. Zin, zin. Le raisin. Eh bien, voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Jason. Sabina, s'il vous plaît. Sabina, vous êtes là? Oui. Alors, bonjour Sabina. Regardez, ça continue. Oh là là. Donc, on avait fait tout à l'heure les adjectifs. Vous faites la lecture de toutes les choses que vous voyez sur votre écran en français, s'il vous plaît. Il est français. Oui. Elle est française. D'accord. Il est joli. Elle est jolie. Oui. Il est grand, elle est grande. Oui. Il est petit, elle est petite. Alors, j'ai un petit doute pour le dernier. Répétez la dernière catégorie, s'il vous plaît. Il est peu... Il est petit. Oui, donc on est d'accord. Hein. On est d'accord, Sabina, le T final n'est pas prononcé du tout au masculin. Il est petit, i. Il est petit. Ouais, elle est petite. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup, Sabina. S'il vous plaît, Finza, nous vous écoutons. Regardez, c'est la même chose. C'est juste les adjectifs masculins et féminins, s'il vous plaît. On y va. Gris. Gris. Mauvais. Alors, oui, regardez, on va répéter le masculin. Alors, le masculin, c'est gris, d'accord? Gris. Ouais, le féminin, grise. Grise. Ouais, beaucoup plus léger. Grise. Grise. Ouais, répétez encore. Gris, grise. Gris, grise. C'est parfait, on continue. Mauvais. Oui. Mauvaise. D'accord, même chose. Mauvaise. Mauvaise. Voilà, d'accord, on continue. Alors attention, là ça va être très fort. Ce sera du s. Allez-y. Vous avez quelqu'un qui est malade chez vous. Faites attention. Allez-y. Mauvais. Ouais. Le gros. Oui. Désolé. Gros. Ok, très bien. Donc, c'est bien, vous avez le double S ici, donc vous allez vraiment le prononcer très fort. Répétez après moi. Grosse. Grosse. Ouais, c'est parfait. Ensuite. Bas. Basse. Ouais, faites bien le A. Basse. Basse. Ouais, c'est parfait. Répétez après moi. On va juste répéter le féminin, ok? Grise. Grise. Mauvaise. Mauvaise. Grosse. Grosse. Basse. Basse. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Et vous pouvez dire à la personne qui a éternué, l'expression en français, c'est à vos souhaits. Alors, il y a une personne malade. Faites attention. Allez, on continue. Maria, s'il vous plaît. Maria, vous êtes là? Oui, je suis ici. Bonjour. Très bien. Comment allez-vous, Maria? Regardez, ça continue. Bien. Alors... Ça va avec les enfants? Vous arrivez à trouver des activités? Je sais, mais c'est très difficile. Et c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Allez, continuez. C'est pas fini. Jeanne. Jeanne. Alors faites bien, ouais, essayez de le faire un tout petit peu plus jeune. 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 Ouais. Admirable, admirable. Drôle, drôle. Formidable, formidable. On est d'accord, hein. Donc ça, c'est une catégorie. Quand vous avez le « final », c'est le même adjectif au masculin et au féminin. Merci beaucoup. Jean-Michel, s'il vous plaît. Jean-Michel, vous êtes là? Alors, Jean-Michel avait mis son nom. Je ne sais pas s'il est là. Il a peut-être quelques difficultés techniques. Ankan, Ankan, c'est à vous, s'il vous plaît, quand Jean-Michel aura réglé son problème. Bonjour, Ankan. S'il vous plaît, la lecture. Animé. Animé. D'accord. Donc, on est d'accord. Hein, on va mettre le « e » au féminin, mais on ne le prononce pas. D'accord? Et c'était parfait. Continuez, s'il vous plaît. Cassé. Cassé. Très bien. Adopté, adopté. C'est parfait. Invité, invité. Eh bien, écoutez, félicitations, Ankan, c'était très, très bien. Merci beaucoup. Lan, s'il vous plaît. Lan, on vous écoute. Alors, ça, c'est une autre catégorie. Oui. Oui. Premier. Premier. Alors, regardez, pour le féminin, vous allez vraiment prononcer, parce que vous avez un accent grave, et vous allez prononcer le R. Première. Première. Ouais. Donc, on répète. Masculin, premier. Répétez. Premier. Féminin, première. Première. C'est parfait. Même chose pour le suivant. Continuez. Dernier. Dernier. Oui. Dernière. Dernière. Oui, d'accord, très bien. Regardez, ne partez pas, ça continue. Léger. Oui, alors léger. Faites attention. Oui, regardez, c'est un je. Léger. Répétez. Léger. Oui. Léger. Oui, légère. Légère. Voilà, c'est celui-là, juste comme ça. Lan, continuez pour le prochain. À étranger. Oui, alors regardez, vous avez l'accent aigu. Et étranger. Étranger. Oui. Étranger. Voilà, et là c'est parfait. Félicitations, Lan, vous l'avez réussi. Ice Cube, vous êtes dans ma liste. Alors donc je suppose que vous participez. Êtes-vous là? Mon Dieu, Ice Cube, le son est bizarre. Est-ce que votre micro est à côté de votre bouche? Allô, allô? Allô? Oui. Oui? D'accord. Alors, c'était un petit peu difficile de vraiment vous entendre. Donc, essayez peut-être de régler le problème à Ice Cube et après, on va revenir à vous, d'accord? Svetlana, est-ce que vous êtes là? C'est pareil, il y a des personnes qui ne sont pas là. Svetlana, vous n'êtes pas là? Vous êtes là? Je ne sais pas. Randa, Randa, c'est à vous si vous êtes là. Bonjour. Bonjour Randa, allez on y va. Si vous pouvez lire la même image parce que ce sera plus clair, s'il vous plaît. Journalière, journalière. D'accord, faites bien le yé. Journalière, hier. Journalière. Ouais, très bien. Le prochain. Journalière. Inquiet. Ouais, inquiet. Inquiet, inquiète. D'accord, répétez inquiète. Après moi. Journalier. Journalier. Journalière. Journalière. Inquiet. Inquiet. Alors faites attention. Inquiet. Inquiète. 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 Voilà, merci beaucoup. Regardez, restez là, restez là. Merci. Non, Randa, ne partez pas. Vous avez encore cette catégorie-là. Regardez l'image et c'est pour vous aussi, Randa. On vous écoute. 9. Oui. 9. D'accord. Sportif. Oui. Sportif. Alors, sportif, ouais. Sportif, prononcez bien le F parce que le F, on ne l'entend pas très très bien. Sportif, F, ouais. Féminin, sportive, V. Ah. Allez-y. Ouais. Sportive. Voilà, merci beaucoup, Randa. On y arrive. Alors, j'avais sur... Donc, Jean-Michel, vous êtes là ou vous n'êtes pas là, Jean-Michel? C'est toujours un mystère. Oui, bonjour. Ah, Jean-Michel est là. Très bien, Jean-Michel. Regardez, c'est à vous. Alors, pareil, vous me lisez uniquement les choses en français que vous voyez sur votre écran, s'il vous plaît. So, il y a... Voilà, il y a ensuite... Avoir un. D'accord. Ensuite. Avoir l'habitude de. Oui, faites attention. Avoir l'habitude de. De. Avoir l'habitude de. Oui, et faites bien le U comme un U. L'habitude. Avoir l'habitude de. Avoir l'habitude de. C'est parfait. Regardez, continuez. Avoir peur de. Oui, faites attention, le deuxième mot, ça va être peur. Peur. Avoir peur de. Oui, c'est parfait. Encore un, s'il vous plaît. Avoir honte. Oui. Finissez bien avec le T. Ouais. Honte. Ouais. D'accord, c'est bien. Et souvenez-vous, la nasale O-N, c'est on dans le nez. Avoir honte. Avoir honte. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ensuite, je ne sais pas, est-ce que Classis, vous êtes là, Classis? Classis n'est toujours pas là. Ok, c'est pas grave, on la verra après. Jessica, c'est à vous, s'il vous plaît. On reprend la liste du début. Oui, on vient. Relaxons-nous. Tout va bien, Classis, il n'y a pas de problème. Ce matin, oh gosh, ok. Eh bien, moi aussi, Classis, ce matin, c'était un cauchemar. Techniquement, c'était un cauchemar. Mais là, ça va. Alors, Classis, on vous écoute, s'il vous plaît. Avoir froid. D'accord. Oups, oh, bah, excusez-moi. Oh, mon Dieu, vous n'avez pas de chance. Bon, c'est vous. Non, c'est pas grave, Classis. C'est vous qui allez commencer après. Donc, là, je vous demande d'écrire un petit peu et puis après, ce sera à vous, OK? Donc, s'il vous plaît, vous avez une image. Et puis, essayez de me noter 3 mots, s'il vous plaît, qui pourraient être reliés d'une façon ou d'une autre à cette image. Prenez quelques minutes. Petite question pour Ashley. Est-ce que vous voulez participer oralement ou pas? C'est comme vous voulez, parce que vous n'êtes pas sur ma liste, donc vous décidez ou pas. Alors, prenez quelques petites secondes ou une minute pour m'écrire les mots, s'il vous plaît. Alors, nous commençons à regarder, c'était Julia qui était la première. Julia, faites attention, c'est un manteau, M-A-N-T-E-A-U. Maison, c'est féminin, faites attention, une maison, un sac et le pont, effectivement. Finza nous dit le sac, le mur, la femme. Faites attention, Finza, parce que phonétiquement, on dit la femme, mais souvenez-vous, quand on écrit, c'est F-E. M-M-E, d'accord. Je veux participer, ok, je vous note sur ma liste, pas de problème. Alors, Yulia, une maison, d'accord, très bien. Ankan nous dit le pont, le sac à dos, très bien. Alors, le sac à dos, oui, et oui, c'est vrai. Les appartements, très bien, avec 2 P. Félicitations, Ankan. Ensuite, Finza nous dit un appartement. Faites attention, Finza, parce qu'en français, C'est bizarre, mais il y a 2 P à appartement. Ensuite, Sabina nous dit la femme, la belle ville et l'arbre. Sabina, est-ce que arbre, c'est masculin ou féminin? Est-ce que vous pouvez me le dire, Sabina? Ouvrez votre micro et dites-le nous. Un arbre ou une arbre, à votre avis? Un arbre. Un arbre. Ça, c'est très intelligent, Sabina. Vous me donnez les deux. Alors, c'est masculin, ok? C'est masculin. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai bien compris. Vous laissez de parler, il n'y a pas de problème. Alors, Jason nous dit le parapluie. Effectivement, il y a un parapluie. Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, ce serait bien de mettre les articles, vous savez, comme ça, on sait si c'est masculin ou si c'est féminin. Alors, sac, c'est masculin, le sac. Cheveux, c'est pluriel dans ce cas-là, mais effectivement, c'est masculin. Bâtiment, c'est masculin, le bâtiment. Michaela nous dit un manteau, l'arbre et l'appartement. Très bien, Classis, un grand bâtiment. La rue, faites attention, Classis, c'est le le trottoir. Alors ensuite, user, je crois que c'est, est-ce que c'est probablement Nelson. Nelson, vous voulez participer aussi oralement, il faut me le dire. Le sac, la madame, on va dire la femme en général, et la maison, très bien. Finza nous dit une belle femme avec l'adjectif, très bien. Maria, alors Maria, il faut être généreuse avec les articles. Alors, la solitude, féminin, la mélancolie, féminin, et l'automne. Automne, en général, c'est masculin. Un automne pluvieux, par exemple. Jeanne, un parapluie, les immeubles. Souvenez-vous, Jeanne, peut-être que vous avez un problème. Double M, E-U-B-L-E-S, un pont, c'est très bien. Jessica, la femme, la maison, le parapluie, c'est parfait. Ice Cube, une femme, le sac, la maison. Alors, H, l'arbre, masculin, le bâtiment, très bien. J'ai oublié l'image, d'accord. L'année, gris, noir, brun. L'année a décidé d'aller sur des couleurs, et pourquoi pas. La femme, c'est simple, nous dit H, c'est vrai. Alors, Jeanne, alors, faites attention. Oui, Jeanne, faites attention. Meuble, donc meuble, hein, c'est effectivement furniture en anglais, mais immeuble, I-M-M-E-U-B-L-E-S, ça, c'est des bâtiments. Hein, c'est des bâtiments. Donc, faites attention. Comme les autres, on écrit un balcon, Ice Cubes. I just called nous dit fille. Donc, une fille élégante, un immeuble, une rivière. C'est très, très bien. Alors, rivière, faites attention. I just called, c'est l'accent, mais c'est l'autre accent, c'est l'accent grave. C'est pour ça que le son, c'est vraiment ouvert et c'est « eh, eh, eh ». Alors, merci beaucoup. Donc, Classis, vous revenez, s'il vous plaît. Si c'est possible, êtes-vous là? Oui. Oui, très bien. Alors, j'espère que vous avez une bonne mémoire, parce que l'idée, c'était de vous faire, alors à vous, mais aux autres, lire des expressions idiomatiques avec « avoir », et maintenant, c'est la mémoire. Classis, comment est-ce que vous traduisez cette chose-là? Il y a, effectivement. Donnez-moi un exemple, comme vous êtes une femme courageuse, donnez-moi un exemple. Il y a une grande maison dans la rue. D'accord, très bien. Effectivement, il y a une grande maison dans la rue. Nous sommes d'accord, Classis et tous les autres, qu'il y a peut introduire quelque chose de pluriel. Hein. Nous sommes d'accord. On pourrait dire il y a 3 maisons dans la rue. C'est possible. Hein. C'est la même forme. Nous continuons. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai 20 ans. Voilà, comme moi, Classis. Mais c'est formidable. C'est incroyable. Vous avez 20 ans comme moi. C'est formidable. Je crois que tout le monde doit avoir 20 ans ici. Alors, on continue ça. J'ai d'habitude mangé de petit déjeuner après la leçon. Eh bien, voilà. Alors, regardez. Souvenez-vous qu'on va l'utiliser avec la préposition « de », ok? Et vous allez mettre quand même l'article. Donc, ouais, vous allez avoir la phrase « J'ai l'habitude de prendre mon petit déjeuner ». Ah oui, hein? C'est préférable. Prendre le petit déjeuner après la leçon. La question. Oui. Après les mots de, toujours suivre de l'infinitif? Alors, ça dépend, mais en général, quand vous allez le construire avec un autre verbe, oui. C'est-à-dire que si c'est un deuxième verbe, c'est l'infinitif. D'accord? Donc, et ça peut être la préposition « à » aussi. Vous savez, ça dépend de la construction. Mais si c'est le deuxième verbe, parce que là, c'est le deuxième verbe. Le premier verbe, c'est « avoir », que vous conjuguez. J'ai l'habitude de, hein, et donc prendre, chanter, finir, infinitif. Oui. Alors attendez, on continue. Et ça, c'est encore pour vous, Classis. C'est votre fête. J'ai peur de serpent. J'ai peur de. J'ai peur. Oui, j'ai peur de. J'ai pas entendu la fin. J'ai peur. Oui, non. De... Est-ce que c'était cet homme? Non, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai peur de... De quoi? De... Les serpents. Ah, des serpents! Des serpents. J'avais pas entendu, excusez-moi. D'accord, c'est clair. J'ai peur des... Alors, en général, on va le combiner. Hein. On va combiner de et les, ça se transforme en des. J'ai peur des serpents. Très bien. Des serpents. Beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Alors, H ou Ashley, c'est pour vous, s'il vous plaît. Allez, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Ne quittez pas. Ah oui. Ah. Je ne quitte pas, je suis là. Alors, est-ce que vous avez l'image? Comment est-ce que vous traduisez to be ashamed en français? Mon Dieu. Vous avez oublié? Je ne sais pas. Non. Alors, c'est pas grave. Regardez. Ah bon? Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. On va y arriver. Là. Comment est-ce que vous traduisez? Avoir froid. Avoir froid, effectivement. Tenez, c'est comme ça. Très bien. Oh, ben c'est formidable. Allez, H, on y va. Lecture des phrases en français, s'il vous plaît. D'accord. Lequel de ces livres préférez-tu? Ouais. Alors, faites attention juste pour la prononciation. Lequel? Lequel? Ouais. Et le verbe, regardez le verbe. Préfères-tu? Préfères-tu? Ouais, hein, donc vous insistez pas sur le E finalement, il n'existe pas le dernier. Répétez, lequel de ces livres préfères-tu? Lequel de ces livres préfères-tu? Ouais, c'est parfait, regardez ça. Continuez. Merci. Lequel de ces films préfères-tu? Ouais, même chose, essayez de vraiment de faire le, lequel. Lequel. Voilà, très bien, effectivement. Et celui-là, s'il vous plaît. Lequel de ces restaurants préfères-tu? D'accord, merci beaucoup. On va continuer avec Jessica, s'il vous plaît. Jessica, ça continue avec vous. Nous vous écoutons. Lequel de ces spectacles préfères-tu? D'accord, effectivement, même chose. Hein. Dans préfère, on finit vraiment avec le re, mais pas un e. Préfères-tu? Préfères-tu? Ouais, répétez la totalité, s'il vous plaît. Lequel de ces spectacles préfères-tu? C'est parfait. Continuez, s'il vous plaît. Lequel de ces tableaux préfères-tu? C'est parfait. On y va. Lequel de ces artistes préfères-tu? Ouais, vous pouvez faire la liaison entre ces et artistes. Ces artistes. Ces artistes. Ouais, répétez-moi la phrase, s'il vous plaît. Lequel de ces artistes préfères-tu? Ouais, préfère. Préfère. Ah, désolé. Hein. Excusez-moi, mais c'est mon travail. C'est mon travail. Continuez. Préfères-tu? Ouais. Et la dernière pour vous, s'il vous plaît. Lequel de ces deux heures préfères-tu? Ouais. Alors faites attention parce que celui-là, regardez le mot dessert. Dessert. Ouais. Souvenez-vous une chose, c'est que vous avez votre E avec un double S. Et vous savez, quand vous avez une double consonne, le E, vous prononcez comme un E, d'accord? Et le S, il est très, très fort. Dessert. Dessert. Plus fort le ce. Dessert. Dessert. Ouais. Maintenant, répétez la totalité, s'il vous plaît. Lequel de ces desserts préfères-tu? D'accord. Lequel de ces desserts préfères-tu? Merci beaucoup. Alors, oh, Ice Cube nous dit, je voudrais parler. Est-ce que votre micro est mieux, Ice Cube? On y va, Ice Cube. Essayons votre micro. Allez. C'est bon? Okay. On y va. Alors, oh non, vous avez l'exercice. Désolé. Alors, Ice Cube, non. Ne vous inquiétez pas, une petite minute, tout ira bien. Vous êtes la première après. S'il vous plaît, imaginez ce que cette personne dit à ses collègues ou à ses amis. Je ne sais pas, mais que dit-elle? Prenez une minute pour m'écrire cette phrase ou ces phrases. Allez-y. Alors, Lanley m'a posé la question, qu'est-ce que vous dites? Lanley, imaginez la phrase que cette femme dit. Okay? So try to imagine what this person is saying. Just like we normally do, put a sentence and then write in the chat and after that I will correct. D'accord? Regardons. Julia a écrit, la femme a dit qu'elle va sortir pour une petite minute. Ouais. Regardez Julia, pas de S dans elle va. Elle va, c'est VA. Jean-Michel, il ne peut sortir. Nous sommes en quarantaine. En général, on utilise l'expression avec la préposition « en » et on ne met pas d'article en fait. Nous sommes en quarantaine, Jean-Michel. Et peut-être que, Jean-Michel, on devrait dire peut-être au pluriel « ils ne peuvent pas » ou est-ce que vous voulez dire « vous ne pouvez pas » Parce que si elle dit « il ne peut pas sortir », ah, elle parle de cet homme. Maintenant, j'ai compris, Jean-Michel. Tout est clair, merci. Classis nous dit, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Magnifique, Classis, pas de faute. Jeanne, il est votre nouveau patron. D'accord, très bien. Il a l'air sympathique comme patron, en tout cas. Dina nous dit, je pense que travailler avec Zoom est plus... Alors, faites attention, Dina, on ne dit pas vraiment effectif. En général, on dit efficace. Hein, efficace, c'est en général ce qu'on va utiliser. Maria nous dit, elle parle d'une nouvelle idée qu'elle a sur un projet. Faites attention Maria, projet, il n'y a pas de C. P-R-O-J-E-T, d'accord? I Just Called nous dit, elle explique son projet, parfait, pas de faute, c'est magnifique. Jessica, est-ce que tu fais du projet? Faites attention... Jessica, Jessica, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement avec « qu'est-ce que tu fais du projet » Parce que j'ai un doute, je ne suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Are you gonna make the project? Okay. So you don't want to say what are you going to do about the project. So you want to say are you going to do or to make the project. Mm-hmm. Okay. Exactement. Dans ce cas-là, Jessica, utilisez plutôt le projet. D'accord. Si vous dites avec du projet, ouais, j'ai l'impression que c'est une autre chose. Projet, souvenez-vous, la même chose, donc P-R-O-J-E-T, ok? Pas de C. Merci beaucoup. D'accord, merci. Ankan, le chef n'arrive pas, donc je suis votre chef aujourd'hui. Le rêve peut-être de toute personne. Alors, Jason nous dit Qui est-ce qui est absent aujourd'hui? Très belle phrase, Jason. Félicitations, Ice Cube. La femme dit pourquoi. Alors, souvenez-vous, Ice Cube, pourquoi O-I à la fin? OK? P-O-U-R-Q-U-O-I. Alors, pourquoi tu n'as pas fait du shopping aujourd'hui? Tu n'as N-A-S. D'accord? Et comme on met la négation, c'est tu n'as pas fait, c'est pas du, mais c'est la forme négative, ça va être de. Tu n'as pas fait de shopping. D'accord? Ça doit être Nelson, je pense. Alors, C apostrophe EST, c'est la position de la compagnie. Et faites attention, le verbe c'est devoir, mais c'est nous devons. D-E-V-O-N-S. D'accord? Alors, Michaela, attendez. Oups, là, oui. Elle dit, tu es très bon dans ton travail. Alors, ouais, faites attention, Michaela. Si vous commencez avec tu, logiquement, vous continuez. Donc, dans ton travail. D'accord? C'est un petit peu bizarre de dire tu et votre. D'accord. Ravidja nous dit il est d'Inde et il est intelligent. D'accord, très bien. Sabina, elle dit je pense que Jean est trop jeune à dire ici. Sabina, can you open the mic? Vous pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît? Oui. Alors Sabina, qu'est-ce que vous voulez dire avec votre phrase? She thinks that the guy like Jean. Oui. Too young to speak out loud. Ah, to speak. Okay, so in that case, you go for. Elle dit, je pense que Jean est trop jeune pour parler. Hein? Ouais. Et utilisez le pour. Hein? Il est trop jeune pour parler, pour s'exprimer, dire. I would expect something after. Pour dire ce qu'il pense. You see, but it would be a bit longer. So it's up to you. Pour parler, pour s'exprimer. Alors, H, donc j'ai dit rejoindre leur... Hein, qui ne tente rien à rien. Oui, d'accord, H, mais il faut écrire la phrase. Alors, pouvons-nous utiliser études pour projet? Lan, can you open the mic, please? Vous pouvez ouvrir votre micro? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? La question études, studies pour projet, c'était quelle était la phrase? What was the sentence? C'était quoi la phrase? Parce que c'est en général, ça dépend. It depends on the context. Mais normalement, là, les études, c'est les études. Un projet, c'est ça peut être pour les études. Ou ça peut être pour le travail, ou ça peut être personnel aussi. Hein. Donc, je ne sais pas. C'est en fonction du contexte. Hein. It's according to the context. I really need to see. But in most of the cases, en général, les études, c'est les études. D'accord? Oui. Merci. Alors, ensuite, donc, on y va. Allez, hop. C'était lequel? Ice Cube, c'était à vous. Est-ce que vous êtes là? Oui. No? Okay. Alors, remember, it was like that. So the idea, l'idée, c'est d'utiliser lequel. D'accord? Alors, est-ce que vous voulez que je vous aide? You want me to help you or you're good? Lequel livre est-ce que tu pourrais faire? Voilà, c'est magnifique. Alors, regardez, vous l'avez utilisé avec « est-ce que » c'est très bien, d'accord? On peut l'utiliser comme ça, c'est-à-dire « lequel de ces livres préfères-tu » un petit peu plus correct, plus formel, mais « est-ce que tu préfères » c'est parfait. S'il vous plaît, Ice Cube, est-ce que vous pouvez lire la phrase, s'il vous plaît? La phrase… Can you read it? Je préfère romance. Ah, d'accord. Vous répondez. Très bien. Merci beaucoup, Ice Cube. Alors, continuez. Alors, regardez. Comment est-ce que vous traduisez ça? Laquelle film? Oui. De ces films. Tu peux refaire? Oui, effectivement. Alors, regardez, lequel de ces films tu préfères? Préfères-tu? Est-ce que tu préfères? C'est comme vous voulez. Can you read one more time the thing just to see if you pronounce perfectly? Oui. Lequel de ces films préfères-tu? Eh bien, c'est magnifique. Regardez un autre cadeau supplémentaire, s'il vous plaît. On y va. Lequel restaurant est-ce que tu préfères? Très bien, effectivement. Alors, lequel de ces restaurants est-ce que tu préfères? Préfères-tu? Tu préfères? Ice Cube, quel est votre restaurant préféré? Comment est-ce qu'il s'appelle, votre restaurant préféré? Je préfère... le restaurant de Carmen. Non, je ne sais pas. C'est comme vous voulez, pas de problème. Ne vous inquiétez, vous pouvez dire français. Si vous dites un restaurant français, après je suis content. Je dis ah d'accord, merci Ice Cube. Ok, merci beaucoup. Dina, c'est pour vous s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là, Dina? Là. Ouais. Eh ben regardez, c'est pour vous celui-là. Lequel de ces choses préfères-tu? Alors faites attention, en général, en français, on va plutôt utiliser spectacle. Vous pouvez dire un show, mais en général, on peut utiliser un spectacle. D'accord? Est-ce que vous pouvez lire la phrase, s'il vous plaît, encore une fois? Lequel de ces spectacles préfères-tu? Eh ben, écoutez, c'est magnifique. Merci beaucoup, Jason, s'il vous plaît. On va essayer de faire participer tout le monde. Une phrase par personne maintenant. I forgot what painting is in French. Alors, painting, well, hey, look, hop là. Lequel de ces tableaux préfères-tu? Eh ben voilà, c'est magnifique, effectivement. On répète encore une fois, lequel de ces tableaux préfères-tu? Lequel de ces tableaux préfères-tu? Merci beaucoup. Ensuite, Sabina, s'il vous plaît, c'est à vous. Lequel de ces artistes préfères-tu? Eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Finza, c'est pour vous. Lequel de ces desserts préfères-tu? Alors, effectivement, souvenez-vous, c'était dessert. Dessert. D'accord. Ouais. Ouvrez bien le E, dessert. Dessert. Très bien. Alors là, vous allez tous me détester, mais on va faire quelque chose d'important. Chaque personne va répéter après moi dessert. Jessica? Dessert. Dina? Dessert. Jason? Dessert. Sabina? Dessert. Finza? Dessert. Maria? Dessert. Ankan? Dessert. Lan? Dessert. Svetlana? Je crois que Svetlana est partie. Randa? Dessert. Jean-Michel? Dessert. Oui, faites attention, dessert. Dessert. Parfait. Classis? Dessert. H? Dessert. Ice Cubes? Dessert. Très bien, merci beaucoup. Ice Cube, c'est un petit peu mystérieux votre micro aujourd'hui. Alors, nous continuons avec... Ah non, c'est l'exercice encore. Allez, un petit exercice. Oui, alors ça c'est un petit peu bizarre, excusez-moi, mais je vais vous mettre comme ça. La question c'est, si ça marche, et je vais faire... Là. Voilà, que pense-t-elle, s'il vous plaît? Prenez une minute, que pense-t-elle? Allez, écrivez-moi vos phrases. Regardons ce que vous avez écrit. Je ne sais pas où ça commence. Ah, Lan, ok, Lan, faudra que on voit après. So, Lan, vous pouvons utiliser études pour projet, mais c'était, je trouve cette phrase dans un email, un directeur dit j'ai lu votre étude. Ah, oui, dans ce contexte-là, une étude, c'est un petit peu comme une recherche. It's like a study, but it's a study, une recherche sur quelque chose. Hein? We're not talking about the studies in general, mais là, c'est une étude, une recherche. D'accord? Et là, c'est possible. Alors, attendez, on y va. Finza nous dit, elle pense qu'elle se promène, pourquoi pas. Alors, Maria nous dit, les ménages, c'est bizarre. Elle pense, où vais-je? Très bien, Sabina, pour l'inversion, c'est formidable. Ankan. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Faites attention, Ankan, il n'y a pas de E à la fin de univers. V-E-R-S. Elle pense à lui, nous dit Ice Cube. Classis nous dit, elle marche. Elle peut penser quelque chose, Classis, non? Jean-Michel nous dit, elle pense qu'elle a besoin d'une voiture. Faites attention, Jean-Michel, le E de que doit disparaître et votre E de de doit disparaître et vous mettez des apostrophes. Julia, combien de kilomètres? Et c'est Murjour. Ah, là, j'ai un doute. Julia, vous pouvez ouvrir votre micro? Hello. Bonjour. What do you want to say with the ces murs journée jour? Non, pas journée. Yellow. Yellow. Ah, jaune. Et ce, oui, d'accord, ce mur jaune. Combien de kilomètres? Ah, mesure. Go for mesurer for the verb. Combien de kilomètres mesure ce mur jaune? Je marche et je marche, mais mur c'est masculin, il ne finit jamais. Il ne finit, fini, F-I-N-I-T. Ok. Merci Julia. H nous dit, je marche dans un mur, ça va faire mal, d'accord. Michaela nous dit, je dois aller au travail maintenant parce que je suis... Faites attention Michaela, l'expression c'est être en E-N, être en retard. Donc, si vous voulez insister avec trop, pas de problème, je suis trop en retard. Hein. Gardez quand même la préposition en. Nelson nous dit, où est le supermarché? À Paris, peut-être, mettez la préposition à. Ice Cubes, elle pense aller dans un restaurant français. Merci. Faites attention, restaurant, c'est masculin. Donc, un restaurant. Et en général, on dit dans un restaurant plutôt pour la préposition. Ravidja, elle pense à la vie après. Ah oui. Utilisez la structure. Elle pense à sa vie. Après avoir beaucoup d'argent, ce sera plus simple et ce sera plus léger. Jeanne, elle pense qu'elle va, V-A, souvenez-vous, aller au supermarché. Très bien. Jason, quand est-ce que je peux rentrer chez moi? Je n'ai pas la clé de la porte. Oui, effectivement. Finza, elle pense qu'elle nie, peut-être utiliser le présent, non? Elle pense qu'elle met un masque quand elle est en train de marcher au supermarché. Peut-être utiliser le présent. Elle met, M-E-T. Classis, elle pense qu'elle achètera... oui, elle pense... Alors, attention, Classis. Elle pense à ce qu'elle achètera. Pensez à quelque chose. Elle pense à ce qu'elle achètera quand elle arrivera au supermarché. Jessica nous dit, elle pense... Même chose, Jessica. Hein, elle pense à ce qu'elle va manger aujourd'hui. Dina ensuite nous dit « La couleur jaune rend la vie plus lumineuse ». C'est vrai. Hein? Alors faites attention pour couleur. Je pense que vous avez l'autocorrection anglaise. Couleur en français c'est C-O-U-L-E-U-R. La couleur. I Just Called nous dit « Elle pense à comment le monde sera après le corona ». Très bien, effectivement. Alors, regardons. Une petite seconde. Est-ce que... Ah, Allez hop, on va finir avec ça et puis après je vais vous libérer. Maria, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Oui. Comment est-ce que vous pourriez nous traduire ça, Maria? Vous êtes une femme efficace. J'ai besoin de toi. D'accord, effectivement. Donc, on est d'accord que c'est avoir besoin de, hein, et après, toi. On continue. C'est pour vous, Maria. J'ai besoin d'un café. Voilà, à la française, un café avec l'accent, s'il vous plaît, et un seul F. Alors, on peut le dire, j'ai besoin de café. C'est en général, si vraiment vous voulez le dire comme vous avez dit, c'est-à-dire j'ai besoin d'un café, c'est possible, hein, mais ce sera un petit peu différent. Vous aimez le café, Maria? Excusez-moi. Est-ce que vous aimez le café? Ah oui. D'accord. Combien de tasses de café par jour vous buvez? 2 ou 3. Oh, c'est raisonnable. Ça va. Allez, continuez. Continuez. J'ai besoin de boire. C'est parfait, c'est parfait. Stop, stop. On s'arrête là, c'est bien. J'ai besoin de boire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Maria. Ankan, s'il vous plaît, c'est pour vous, Ankan. Est-ce que vous êtes là? Regardez, on continue. J'ai besoin de manger. D'accord, c'est parfait. Ensuite. J'ai besoin de lui dire. Waouh, alors c'est bien pour la position du pronom. Le verbe, ne prononcez pas le E final. Dire. Ouais. Répétez la phrase. J'ai besoin de lui dire. J'ai besoin de lui dire. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. On continue. J'ai besoin de te voir. Ouais, c'est très bien. J'ai besoin de te voir, effectivement. Alors, on imagine que le you pourrait être la forme plurielle. J'ai besoin de vous voir. Hein, on est d'accord. Regardez ça. J'ai besoin de parler avec vous. Alors, faites attention. Regardez. On peut l'utiliser, en général, parler, on va plutôt l'utiliser, plutôt qu'avec, on va utiliser « à ». Et comme on utilise avec « à », ça veut dire que les pronoms qu'on peut utiliser, c'est les pronoms compléments d'objets indirects. D'accord ? Okay. Me parler, te parler, lui parler, nous parler, vous parler, leur parler. Répétez, j'ai besoin de leur parler. J'ai besoin de leur parler. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Eh bien, c'est terminé. Voilà, nous nous arrêtons avec Ankan. Merci beaucoup. Regardez, on remonte, on remonte, on remonte. Pour votre information, donc demain, ce sera l'heure normale pour la leçon Zoom. Donc, le prochain rendez-vous, si vous voulez, c'est sur YouTube et c'est à 6h, heure de Paris. Et pour demain, les heures seront un petit peu différentes. En tout cas pour YouTube, ce sera 8h, heure de Paris, et 10h, heure de Paris. Après, ça ne change pas, ce sera 4h et 6h. Voilà. Merci beaucoup, c'était très sympathique. Passez une bonne soirée. Au revoir.